Come over here and perform for me. Des agents de Mobius. Donc ils sont pas tous morts. Merde. Ces saloperies sont partout. Je vais devoir entrer là-dedans et soutirer quelques infos à ce type. J'espère que ça tiendra. Arrêtez, n'approchez pas. Ok, calmez-vous. Ne tirez pas. Je ne vous veux aucun mal. Vous voyez? Vous pouvez baisser votre arme.
Nous sommes dans le même camp. Vous n'êtes pas de Mobius. Vous n'êtes peut-être pas une de ces choses, mais ça veut pas dire qu'on est dans le même camp. C'est vrai. Je ne travaille pas pour Mobius. Mais ce sont eux qui m'ont envoyé ici. Vous avez vu ces choses dehors? Ce qu'elles peuvent faire? Ouais, je suis au courant. Vous avez de la chance que votre partenaire se soit sacrifié pour vous permettre de vous échapper. C'était pas mon partenaire. C'était juste un agent de sécurité d'Union. Me protéger, ça faisait partie de son boulot. Et le mien, c'est de réparer des trucs. Merde, on me paye pas assez pour mourir ici. Je suis pas un soldat. Juste un technicien. Je sais. Arrêtez! Ou je tire! Un soldat aurait pris soin d'enlever la sécurité. Je vous l'ai dit, nous sommes dans le même camp. Bon, allez, on recommence. Je m'appelle Sebastian Castellanos. Moi, c'est O'Neill. Liam O'Neill. Alors, vous ne faites pas partie de Mobius, mais ils vous ont quand même envoyé ici. Pourquoi ? J'essaie de retrouver... J'essaie de restaurer le noyau. Comme vous. Vraiment ? Bonne chance alors. J'en peux plus. Je vais juste attendre ici jusqu'à l'extraction. Personne ne peut nous extraire. Pas tant que nous n'aurons pas trouvé Lily. C'est qui Lily ? Écoutez, nous sommes tous bloqués ici jusqu'à ce que nous trouvions le noyau. Vous pouvez m'aider ? Si ça veut dire remettre le pied dehors avec vous, vous pouvez faire une croix dessus. Ça, c'est une planque. Alors je me planque. Vous pigez ? Mais j'ai peut-être une piste pour le noyau. J'ai détecté des signaux proches d'ici. Ils résonnent sur la fréquence du noyau. On essayait de les remonter à la source quand on a été attaqué. Tenez, écoutez. On dirait une petite fille. Pas vrai ? Silence. C'était elle ? Le noyau ? Je pense, oui. Mais depuis qu'on est arrivé, je reçois plein de signaux étranges sur mon communicateur. Il va falloir en trouver la source pour s'en assurer. Et comment est-ce que je fais ça ? Votre communicateur peut aussi les capter. Jetez-y un œil quand vous serez sorti, vous verrez. D'ailleurs, vous capterez sûrement d'autres signaux dehors. Vous feriez peut-être bien de les suivre pour voir si... Non, non. Le noyau passe en premier. C'est notre seul moyen de sortir d'ici. Comme vous voulez. Nous allons synchroniser nos communicateurs. Je pourrais vous tenir au courant si je trouve quelque chose. Ouais, ok. Ok, si vous voulez. Ça fait déjà une semaine que vous êtes coincé ici. Déjà ? Merde. Le temps s'écoule bizarrement ici. C'était censé être une opération de routine. Du genre à prendre à peine quelques heures. Mais merde, j'ai jamais rien vu de pareil. Comment ça ? C'est normal qu'il se passe des trucs bizarres quand un noyau débloque, mais là, on a dépassé le bizarre. Cet endroit est en train de tomber en lambeaux. On s'est servi de l'émetteur de champ stable, mais il ne fonctionne pas comme prévu. C'est quoi l'émetteur de champ stable ? Si c'est Mobius qui vous envoie, vous devriez pas être au courant. Vous étiez 5 dans votre équipe ? Quand on est arrivé, il y avait déjà une équipe de sécurité pour nous aider, mais oui. On est 5 dans l'équipe de sauvetage. Attendez, vous avez dit étiez ? J'ai trouvé Baker. Il est mort. Pas étonnant. Il avait trouvé un signal puissant et il voulait voir ce que c'était. Je lui avais dit qu'on devrait juste demander l'extraction et transmettre nos résultats et qu'une autre équipe se chargerait du sale boulot. Mais il voulait rien savoir. C'était le chef d'équipe. Il fallait toujours qu'il joue les héros. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas grande différence entre un héros et un imbécile. Ouais, sûrement la même différence qu'entre la prudence et la lâcheté. Pensez ce que vous voulez, je dis pas que je suis content qu'il soit mort. Mais vous me prenez pour le dernier des enfoirés. J'espère que les autres vont bien. Je vous tiendrai au courant si je trouve quelqu'un d'autre. Vous feriez ça ? Merci. Je vous en serai reconnaissant. Je pensais pas que ça serait dangereux à ce point-là. Vous savez où je peux trouver des armes, ou du matériel ? Je vous ai dit qu'il y avait bien ce signal, mais vous avez pas voulu en entendre parler. Je suis tout ouïe à présent. J'ai capté les transmissions de 2 agents de Mobius qui parlaient de cache d'armes. En suivant le signal, vous trouverez peut-être quelque chose. Ils sont peut-être cachés et peuvent vous aider. Je vais y réfléchir. Allez, quoi, je suis tout seul ici, j'ai besoin qu'on me protège.
Fallait peut-être pas laisser votre dernier garde du corps se faire tuer. Bon. Je vais marquer le signal sur votre communicateur. Suivez-le ou suivez-le pas. Je m'en fous. Ces choses sont plutôt robustes. Il va falloir beaucoup de munitions pour les tenir à l'écart. Vous avez rien de plus puissant ici ? Pas ici, non, mais vous trouverez sûrement ce que vous cherchez dehors. Cet endroit a été conçu pour être paisible, mais qui dit Mobius dit puissance de feu. Et vous savez où je peux trouver cette puissance de feu ? C'est pas mal le bordel là dehors. Alors c'est pas comme si vous alliez tomber sur un stock d'armes lourdes. Mais j'ai vu quelque chose qui pourrait vous être utile, à côté d'un blindé abandonné. Je vais vous marquer où il se trouve. Faites gaffe. L'endroit grouillé de ces choses. Dites-moi. Ça détend. Thank you.
quoi ce bordel? Hé! Laissez-moi sortir! Inspecteur Castellanos, quelle bonne surprise. Bon retour parmi nous. Encore vous? Qu'est-ce que vous faites là? Je pourrais vous retourner la question. En tout cas, c'est bon de voir un visage familier. Même si ce visage en a bien trop vu. Vous avez l'air fatigué, inspecteur. Je peux vous remettre d'aplomb si vous voulez. Vous savez, comme avant. Ok. Essayons de trouver le signal dont il m'a parlé. C'est plutôt loin. Mais c'est la seule piste que j'ai. Bon Dieu, j'espère que c'est vraiment Lily. Continue de s'effondrer comme ça, il y aura plus grand chose de la ville à fouiller. Il faut que je trouve ce signal.
Quoi qu'ils puissent être, ils ont dû passer par là. Va savoir où ils sont allés. Hein ? Encore des signaux. Je ferais peut-être bien d'éviter ces deux-là. Ce sont des agents renégats. Mais d'un autre côté, j'ai besoin d'armes.
prête pour y aller. Quoi? Tu viens pas avec moi? Tu sais comment me servir de l'ordinateur pour y aller? Quoi? Tu viens pas avec moi? Pas le temps. Faut que j'aille au garage récupérer du matériel. On se retrouve au centre d'information quand t'auras fini. Le centre d'information? Mais pourquoi? J'ai dit aux survivants que j'ai trouvé d'aller là-bas et de s'y cacher. Il faut que je m'occupe d'eux, tant que ce sont encore d'innocents citoyens effrayés. C'est plus facile de les tuer comme ça que d'attendre qu'ils se transforment en une de ces choses. Pas con. Cet ordinateur fonctionne toujours. Ah!
Mm-hmm.